lapin? Oui! Des histoires de fantômes. Je crois que mon histoire de ce château, c'est un château magique avec un lapin. Et moi, je ne comprends pas comment ça fonctionne, parce qu'à chaque fois que je mets le lapin, parce que le lapin est bon ici, il ne peut pas être de l'autre côté. Mais oui, mais il peut passer. Non. Comment il peut passer? Il ne peut pas être de l'autre côté. Parce que le lapin, il est ici. Non, il est là. Ici, là, tu dis? Oui. Tu veux que je retourne? C'est un château. Vous ne me laissez pas raconter mon histoire. Et c'est toi qui vas nous aider, d'accord? Comment tu t'appelles? Jules. Jules. Jules, il est où le lapin? Ici? Non. Il n'est pas là non plus. Il est là, à droite. Alors je vous explique. Parce que vous n'avez pas laissé venir mon histoire. C'est un château magique. J'arrivais pas à le dire. C'est pour ça que le lapin, il n'est pas là. Tu le fais vivre. Il n'est pas là. Il est juste là. Vous savez pourquoi? Il est au milieu. Non, il est dans le chapeau. Non. Dans le chapeau. Ah ouais. À l'intérieur. Jules, tu peux mettre la main dedans. Il y a le lapin. Le lapin.